retrouvez Passion Auto avec Pionnier.eu, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.eu. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.eu par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. En ce début d'année, on revient en images sur les meilleurs moments de votre magazine pour l'année 2021. Aujourd'hui, on revient sur nos essais car audio et électronique embarquée de notre magazine de l'année passée. L'essai du mois, la Passion Auto. En essai car audio cette semaine, on vous présente le double DIN haut de gamme du constructeur japonais Pionnier dans votre magazine. L'AVH-Z9200 DAB qui contient un bon nombre de fonctions et de connectivité dans un autoradio. Il est doté d'un écran résistif motorisé de 17,8 cm avec une interface graphique intuitive et facile à utiliser, spécialement conçue pour une utilisation fluide et sécurisée pendant la conduite en voiture. Avant tout, l'AVH-Z9200 DAB est un lecteur CD et DVD, deux tuners radio, la FM et la radio numérique DAB+. Il possède aussi deux entrées USB, un slot pour carte SD, une entrée HDMI et des connectivités sans fil en Bluetooth et Wi-Fi. Cette connectivité Wi-Fi permet par exemple une duplication d'écran Miracast avec les smartphones Android ou la connexion CarPlay sans fil pour les iPhones. La connectivité WebLink est aussi présente sur cette autoradio qui permet la lecture des vidéos sur smartphone et aussi de YouTube entre autres. En plus de la fonction Bluetooth Audio, l'AVH-Z9200 DAB permet aussi la lecture Wi-Fi Audio pour une meilleure qualité de lecture des sons sur smartphone. Les réglages audio sont très complets sur cette autoradio avec deux modes, standard ou le mode network qui permet d'y brancher des amplis sur des sorties spécifiques, graves, médiums et aigus facilement paramétrables. Un égaliseur de 13 bandes et d'un DSP permettant d'affiner les réglages de l'alignement temporel pour améliorer l'image sonore adaptée à la voiture. Sur cette autoradio, des composants audio de grande qualité ont été utilisés par le constructeur japonais pour pouvoir conjuguer autoradio haut de gamme, autoradio vidéo et infodivertissement, sans oublier la connectivité. En plus de la possibilité de brancher la caméra de recul sur cette autoradio, on peut aussi brancher une caméra avant. Cette autoradio est disponible dans le réseau Pionnier à La Réunion ou sur pionnier.fr. La semaine dernière, on vous a présenté l'autoradio double DIN AVH-Z9200 DAB dans votre magazine. Aujourd'hui, on vous présente le haut de gamme des autoradios modulaires type tablette du constructeur japonais Pionnier, le SPH Evo 93 DAB. Ce nouvel autoradio Pionnier préfigure les prochains autoradios de la marque avec une nouvelle présentation et interface graphique avec de nouvelles fonctionnalités comme la compatibilité d'Alexa d'Amazon. Le lecteur SPH Evo 93 DAB présente une conception modulaire combinant un grand écran capacitif tactile de 9 pouces avec un boîtier que les installateurs peuvent insérer entre différents compartiments de l'automobile. Ce qui fournit au véhicule où la place sur le tableau de bord est limitée, une solution de mise à niveau de qualité supérieure pour le divertissement des conducteurs. Les nouveaux récepteurs offrent une fonction de connectivité à un smartphone, Android Auto par câble, Apple CarPlay vers une connexion sans fil et Carav Assist et prennent en charge les commandes vocales, assistant d'Alexa intégré, ainsi que des fonctions de divertissement comme Spotify, la diffusion par Bluetooth, la radio hybride, un égaliseur graphique à 13 bandes et bien plus. Selon les versions, des kits d'adaptation permettent d'installer cette autoradio à tablette soit dans certains autoradios spécifiques ou avec un kit universel dans un emplacement standard simple DIN. Les fonctions de réglage audio présentes sur les autoradios haut de gamme Pionnier sont aussi présentes sur ce modèle et ce dernier est labellisé iRes. L'application Carav Assist permet de mettre à jour l'autoradio, de personnaliser les fonds d'écran et aussi de programmer les adresses du navigateur internet intégré à l'autoradio. Cette application permet donc à Pionnier d'évoluer les fonctions de l'autoradio dans l'avenir, surtout au niveau des infodivertissements. Aujourd'hui, dans notre rubrique électronique embarquée, on va parler car audio avec les nouveaux autoradios multimédia du constructeur japonais Pionnier. En effet, le DMH A240 DAB remplace le MVH A210 BT avec beaucoup de nouveautés et d'innovations dans cette entrée de gamme.
Tout d'abord, le DMH est construit en châssis court par rapport à l'ancien, avec un écran de 6,2 pouces, ce qui permet une facilité d'installation et aussi la compatibilité avec des emplacements de certaines voitures. Le DMH s'offre aussi le tuner DAB, DAB+, en plus du tuner FM pour être compatible avec la future radio numérique qui fera son apparition ici à La Réunion dans les années à venir. Les plus grands changements par rapport à l'ancien modèle, c'est les fonctions d'infodivertissement avec les connectivités, avec les smartphones, iPhone et Android qui font leur apparition sur le DMH à 240 DAB. Même s'il n'est pas compatible CarPlay ni Android Auto, la liaison se fait par câble avec l'application WebLink 2, avec des nouvelles fonctionnalités comme la duplication d'images du smartphone à l'autoradio, avec la possibilité de prendre le contrôle du smartphone depuis l'écran tactile de l'autoradio. YouTube et Waze peuvent être utilisés, ce qui était auparavant réservé aux autoradios multimédia plus onéreux, ce qui est très honorable sur une entrée de gamme. Les vidéos sont accessibles facilement avec une définition qui va maintenant jusqu'à 1080 pour les vidéos HD. Côté infodivertissement, l'agenda du téléphone est aussi accessible depuis le WebLink sur l'autoradio, ainsi que la météo avec l'application Weather, la musique et la vidéo du smartphone, Shoutcast pour les radios internet et quelques autres applications GPS. WebLink pourra rajouter à l'avenir d'autres applications et fonctionnalités compatibles avec cette autoradio, ce qui rend le produit évolutif. Les fonctions de réglage de son, de filtre et d'égaliseur 13 bandes sont aussi présentes sur ce nouvel autoradio du constructeur japonais. Et l'interface visuelle est nouvelle et facile à utiliser. Le Bluetooth et Bluetooth Audio fonctionnent aussi facilement et parfaitement comme à l'accoutumée sur les autoradios pionnières. La nouvelle gamme s'enrichit aussi avec le DMH A340DAB qui a un écran plus grand de 6,8 pouces qui est capacitif avec l'USB à l'arrière. Côté autoradio compatible CarPlay et Android Auto, le SPH DA160DAB fait son apparition dans la gamme avec un tarif plus accessible. Conclusion, on peut voir que le constructeur japonais pionnière rend de plus en plus accessible des fonctions d'infodivertissement sur sa gamme d'autoradio. Afin de démocratiser des fonctions qu'auparavant se retrouvaient sur les hauts de gamme uniquement, pour les accros de Waze, préférez les autoradios compatibles CarPlay et Android Auto pour une meilleure réactivité de l'autoradio au quotidien. Le DMH A240DAB est disponible chez pionnière.re pour moins de 200 euros à l'arrêt. L'essai du mois dans Passion Auto. En 2021 et dans les prochaines années, les voitures électriques équipées de batteries vont augmenter de façon exponentielle. Et il y aura de moins en moins de place sous les sièges, ce qui compliquera l'ajout de caissons amplifiés par rapport aux voitures conventionnelles. Pour continuer à offrir une offre complète de caissons amplifiés, le constructeur japonais Pioneer complète sa gamme avec le plus petit caisson actif du marché, le TS-WX010A. Côté caractéristiques, c'est un mini subwoofer de 17 sur 8 cm qui compose ce caisson actif avec une puissance d'amplification de 50 watts RMS avec un rendement de 118 décibels. La bande passante du caisson est de 20 Hz jusqu'à 200 Hz. Les réglages de gain de phase et de fréquence de coupure permettra d'adapter au mieux la restitution en grave par rapport à l'habitacle et du système audio existant. Ce caisson peut se caser facilement dans les petits habitacles, dans les utilitaires ou même dans certaines petites voitures. Du fait de sa petite taille, il peut même se monter en repose-pied, sous le tableau de bord ou dans d'autres endroits qui ne gêneraient pas l'utilisation de la voiture au quotidien. Pour optimiser le résultat de la restitution du grave, avec ce petit caisson actif, Pioneer a créé un système appelé Bass Sound Creator pour pouvoir avoir un bon résultat malgré qu'il soit très petit. Vous pouvez retrouver ce caisson actif dans le réseau de distribution Pioneer et chez notre partenaire pionnière.re pour moins de 200 euros à La Réunion. Pour couvrir tous les besoins en caissons actifs du parc automobile actuel, Pioneer a une gamme complète en dimension et en puissance du plus petit caisson présenté aujourd'hui au plus gros. En 30 cm basse réflexe avec une amplification de 300 watts RMS en passant par le TSX400DA qu'on vous a déjà présenté dans l'émission. Pour une utilisation en coffre, mon choix serait plus orienté sur le TSWX1010 avec une amplification de 300 watts RMS dans un caisson assez compact pour un subwoofer plat de 25 cm.
Dans notre rubrique électronique embarquée du jour, on va parler des dashcams, les caméras embarquées qui enregistrent automatiquement vos parcours et aussi les mouvements suspects qui peuvent arriver autour de la voiture. Tout à fait, Patrick. Dans cette édition, on va vous expliquer ce que sert la dashcam, les divers modèles, les utilisations, selon les besoins des automobilistes. Une dashcam est une caméra de tableau de bord. Il s'agit d'une petite caméra que l'on met à l'intérieur de la voiture. Elle est le plus souvent collée au pare-brise ou au rétroviseur. Une dashcam est conçue pour enregistrer avec précision tout ce qui se passe sur la route. C'est un témoin silencieux qui peut être très utile en cas d'accident, notamment pour prouver votre bonne foi. Il peut également enregistrer la plaque d'immatriculation, la marque et le modèle du véhicule d'un éventuel fauteur en cas de délit de fuite. Dans un tout autre registre, vous pouvez vous en servir pour immortaliser les beaux paysages pendant vos trajets de vacances ou des événements anecdotiques sur la route qu'il aurait été autrement impossible de revoir. Dans la pratique, avoir une caméra embarquée offre une plus grande tranquillité d'esprit au conducteur. La dashcam permet de se protéger contre les fraudes à l'assurance ou de prouver facilement et rapidement la responsabilité des torts de chacun grâce aux enregistrements vidéo. Concrètement, grâce à l'enregistrement, elle permet de prouver votre bonne foi en cas d'accident ou d'accrochage, en cas de délit de fuite d'un fauteur présumé, en cas d'agression routière, en cas de dégâts dus à une intempérie ou d'un animal sur la voie ou tout autre fait possible sur la route. La caméra peut enregistrer, en plus des images, la vitesse et la position GPS de la voiture ainsi que la date et l'heure, l'image avant et arrière de la voiture pour les modèles haut de gamme. Dans une utilisation pour les véhicules de transport en commun ou VTC, il est possible soit d'enregistrer l'avant et l'intérieur de la voiture avec une double dashcam en installation spécifique, ou bien de tourner la dashcam vers l'intérieur de la voiture pour enregistrer ce qui se passe dans le véhicule. L'enregistrement des vidéos se fait sur carte SD. La capacité de la carte permet une plus ou moins longue capacité de surveillance du produit. La bonne définition de 1080 est recommandée et un capteur qui permet les enregistrements en basse lumière permet une meilleure visibilité la nuit. Il y a deux types de dashcam. Les dashcam plug and play qui se branchent facilement sur l'allume-cigare de la voiture et se fixent grâce à une ventouse sur le pare-brise. Ils sont généralement choisis pour les conducteurs qui changent souvent de voiture. Il permet une installation simple et rapide sans nécessiter l'intervention d'un professionnel. Les dashcam intégration nécessitent une installation permanente câblée à la voiture. Ils nécessitent un montage spécifique, ce qui permet une meilleure intégration esthétique et une meilleure utilisation en mode parking. Pour enregistrer ce qui se passe en stationnement, il y a le mode parking. Selon les modèles qu'ils permettent, ces dashcams peuvent enregistrer ce qui se passe autour de la voiture après une détection de choc. Les caméras installées auront plus la capacité de pouvoir enregistrer ces événements que les caméras plug and play. La visualisation des vidéos et événements se font soit directement sur la dashcam à écran incorporé ou aussi via une application sur smartphone ou sur un ordinateur avec la carte SD. Le constructeur japonais Pioneer propose toute une gamme de dashcam selon les besoins des utilisateurs. On va passer en revue ces modèles dans Passion Auto. En effet, Patrick, Pioneer a une gamme très complète de dashcam pour tout utilisateur et tout budget. Pour la gamme Plug and Play, trois modèles sont désormais disponibles avec chacun leur spécificité selon les besoins. L'enregistrement se fait pour la plupart en 1080 HD. L'angle de vision large et la vision de nuit sont disponibles et le capteur StarVis de Sony permet une meilleure vision nocturne. Les dashcam Pioneer sont disponibles à La Réunion sur pioneer.re à partir de 89€. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera la suite des meilleurs moments 2021 de notre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio.